Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et ça sera le Paladin Pro Circuit 2020 vu que c'est une compétition online, elle a toujours lieu et on est à la première semaine, donc ça y est, vous le voyez, on a toutes nos équipes, hein, les 6 équipes qui font partie du split européen, Flashpoint, Packbet, All Business, Chroma Space, 5 Random et District 69, les 6 équipes brésiliennes, Mandrake University, OS Balamansa, Los Gados, Triumfo, Rao Sport et EVEMIND, et les 6 équipes nord-américaines, Flashpoint Anna, qui est l'équipe de Vex, qui s'appelait Invocal and the Idiots, Full Sense, HP OfficeJet Pro 6978, le nom d'une imprimante, Team Project, Snap et Triple Deep. Donc on va commencer comme tous les jeudis, ça commence à 18h, donc soyez là la semaine prochaine, surtout en cette période de confinement, n'hésitez pas à venir avec vos chips si vous en avez, pour regarder la compétition, donc la compétition qui est très intéressante. Je pense qu'il y a les meilleures équipes, hein, on les connaît un peu déjà, les meilleures équipes de chaque scène, mais après, pour la deuxième, troisième, quatrième place, ça risque de se disputer. Il y a Flashpoint GG-EU et Flashpoint GG-NA. EU, bah, c'est l'équipe de Skeppy, l'ancienne équipe de PlayStation 4. La Flashpoint NA, c'est l'équipe justement d'Invocal, Vex, etc. Donc la grosse équipe nord-américaine. Pour la grosse équipe européenne, c'est l'équipe District 69, bien évidemment, avec Fischeko, Alex. Bon, là, c'est l'équipe, il y a 5 joueurs pro dedans. Je pense que c'est la meilleure équipe de la scène européenne, loin devant. Donc, on ne regardera pas un match du District 69 aujourd'hui. Il faut savoir que les matchs sont sélectionnés par iRes. Et donc, pour cette première semaine, on va regarder Flashpoint GGEU face à l'équipe Packbet, l'équipe de CIS d'Europe de l'Est. Vous le voyez, les map bans sont Frog Eyes, Pinstone Quarry, Pic de l'Ascension et Bazar. Donc c'est un BO5, le meilleur en le premier arrivé à 3 maps gagné. La première map sera Stonekeep alias Donjon de Pierre. Donc voilà, la compétition, c'est chaque équipe va se rencontrer un match par semaine. Et vous verrez, bien évidemment, il y a 6 équipes, donc chaque équipe joue un match, donc il fait 3 matchs. Et on en regardera à chaque fois en direct sur la Iker TV, le match sélectionné par iRes à 19h. Ça durera de 19h à environ 22h, 22h30. Donc si vous voulez voir les matchs, on commencera toujours par le match européen, ensuite le match brésilien, et ensuite on finira par le match nord-américain. Ça a toujours été comme ça, et je pense que ça restera comme ça. Vous le voyez, les commentateurs d'iRes sont directement chez eux. C'est marrant, ils sont un peu comme moi, c'est-à-dire que si on enlève le fond vert, en général, il y a mon lit derrière. Donc il y aura Eevee, Bomb King, Deban et Genos Vivian qui ont été ban par Packbet. Alors forcément, Genos Vivian, c'est surtout parce que Flashpoint sont des joueurs qui jouent à la fois à la manette et à la fois avec le clavier souris. Ça dépend en fait de leur personnage. Par exemple, Rome est sans doute joué à la manette parce que c'est un personnage qui a besoin de tirer dans la tête pour vraiment être très impactant. Et c'est pas le personnage le plus difficile à jouer du jeu. Donc c'est sans doute un joueur manette qui va, il va sortir la manette ici. Packbet va prendre Victor et Inara. On le sait. Inara, c'est un très, 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 très bon tank point. Surtout depuis le nerf de Barrick et de Terminus lors du dernier patch. Hein, c'est quand même hallucinant. Inara, depuis quasiment sa sortie, elle n'a jamais été nerfée. Donc, elle est très puissante, c'est vrai. Furia et Ying sont récupérés pour Flashpoint. Une compo double heal avec sans doute une Furia en healer support et Ying avec tir concentré. Qui est une façon, quand je vous ai parlé un petit peu dans le point sur Ying, alors j'en ai beaucoup parlé pour les bas et low et qui veulent essayer de monter, mais ça reste quand même une grosse source de DPS, hein, Ying tir concentré. Donc pourquoi pas. Il y aura un Grover et un Shalin. Oh, Ying face à Shalin, deux personnages qu'on voit pas autant que ça, surtout sur ces rôles là. Shalin, on ne l'a pas beaucoup vu en saison 3, donc ça fait plaisir. Terminus et Talus récupérés pour Flashpoint. Donc on aura le Talus des fameux joueurs console et Terminus qui va être pris en tant que point. Donc une grosse composition pour Flashpoint. Ils vont pas manquer autant de DPS que ça parce que Rome ça fait mal, Ying ça fait quand même de bons dégâts et Packbet
tempête termine par un Androxus flanqueur. Vous le savez, il n'y a pas de clean field, c'est-à-dire de client, de stream, où vous avez tout simplement le son du jeu, mais pas le son des casters. Surtout en cette période de confinement, ça va être impossible de faire ça, comme il y avait eu au championnat du monde. Donc bah, je coupe le son, parce que sinon vous entendez plus le son des casters que le son du jeu. Et vous avez la musique de Vexetto, hein, qui est connu pour être un créateur de musique qui laisse ses musiques libres de droit depuis toujours. Donc on peut utiliser ses musiques dans ses vidéos. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a souvent le lien de sa chaîne YouTube sur, dans la description de la vidéo. Pour ceux qui se demandent, bah, c'est quasiment toujours du Vexento que vous entendez sur mes vidéos. On est parti. Au niveau des choix, vous le voyez, Cavalier Résilience pour Aigulat. Pas d'agile hein, sur le Terminus. Donc c'est un Terminus qui est assez lent. On va essayer de siphonner une partie des dégâts. Et on a le Rome qui va essayer d'aller dans la backline pour essayer d'aller choper. Heureusement, il s'est fait contrôler. Il n'a pas essayé de le toucher, le joueur. Alors peut-être qu'il a pris un sort. Peut-être qu'il a pris le sort de Grover, qu'il l'a peut-être sauvé. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Skeppy qui prend le kill sur Madara. Donc c'est bien joué. Et on prend le balcon. Le contrôle du balcon. On voit. Oh, regardez, il les tire dans la tête. Voilà, oh, c'est incroyable. Les dégâts que ça peut sortir, Rome. Quand ça met toutes les balles dans la tête, là il va réussir. En plus, ouais, il y a le virage, donc c'est très difficile de le cripple et de le silence dans ces cas-là. Ils se sont fait avoir hein, quand même un triple touche là sur un dash de Rome. C'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Et Transic hein, qui fait des dégâts monstrueux. Le Talus qui ne se commit pas. Hein. Le Talus qui utilise bien évidemment sa rune. Voilà. C'est simple, il le joue un peu comme un dégât. Et quand il a sa rune, bah il se met à jouer agressif. Hein. C'est exactement comme ça qu'on joue un Talus. Pas forcément facile à jouer à niveau pro parce qu'il y aura des longs moments où il ne sera pas très utile parce qu'il devra attendre le retour de sa rune. Aze qui essaye de temporiser, là il essaye de jouer avec la distance, le Shaline qui rate sa flèche, dommage parce que là il aurait pu y avoir plus de flèches. Bon, il a décidé de ne pas utiliser sa plus de flèches, mais c'est vrai que quand Grover a mis son silence, enfin son root cripple, ça aurait pu le faire. Aigulat, là il faut essayer de l'attaquer des deux côtés pour tuer le Terminus, ça va être fait, c'est fait. On réussit à prendre le kill sur Terminus et on va réussir à caper le point peut-être côté Pac-Bet. On est à 90%. Est-ce que Rome va pouvoir retoucher? Il y a déjà quelqu'un qui est en route. Oh, Skeppic aurait jamais dû checker ici. Très bien joué, très gros kill ici de la part de Aze. Et on a le contrôle du balcon. Pac-Bet qui mène 1 à 0. Alors, faudra regarder les dégâts de Ying, si cette Ying est si intéressante que ça. On a Prosper Logic hein, qui est sur la Ying. Alors, c'est l'équipe qu'on connaissait, hein, qu'on a vu la saison dernière. Avec bien évidemment Skeppy et Prosper Logic en DPS. Storm Avatar en support. Aigulat en tank point. Et Transic en off-tank. Madara qui prend le kill sur Transic, qui s'était un petit peu trop comité. On a le Androxus qui arrive à prendre le contrôle du balcon. Skeppy qui a pas sa rune, donc il s'enfuit. En fait, il fuit l'Androxus de peur de se faire tuer. Les dégâts, on a le contrôle ici. Madara qui met des dégâts. Bien évidemment, il a ulti. Est-ce qu'il va trouver une fenêtre pour ulti? Oh, il y avait encore un cripple là. On n'arrive pas à synchroniser parfaitement avec les cripples. Il y a moyen de faire des trucs très sympas avec un Grover qui route cripple avec un ulti Victor ou un ulti Androxus. Ça peut au Transic qui n'avait pas vu l'Androxus. Aze qui joue là, voilà, à redescendre et à aller chercher à mettre la pression. Attention, Madara qui n'a pas vu Transic, l'ulti. Oh, bonne inversion qui permet de prendre le kill sur Transic. Bien joué. Les dégâts qui sont mis sur la Ying. Le payload qui avance très très vite. Là, l'illusion de Ying qui est directement tombée. Il n'y a personne pour aller sur le point. Malheureusement, Prosper Logic, il va un petit peu tard. Et ça permet à Pac-Bet de mener 2 à 0. 43 000 de dégâts pour Victor, 36 000 pour Shaline. Bon, après, les dégâts, on le sait bien. Quand on joue contre un Rome, les dégâts sont généralement hyper élevés. Bah, tout simplement parce que Rome, c'est un sac à PV. Donc forcément, quand on tape dessus, c'est un peu un punching ball. Il va vous aider à faire monter vos ultis. Il va vous aider à avoir un gros score de DPS. Au niveau du heal, on le voit, 50 000 pour Grover. Mais si on additionne le heal de Furia et de Ying, bah, c'est bien évidemment Flashpoint qui est devant au heal. Mais pas autant que ça. Prosper Logic a cautérisé 2. Storm Avatar Chronos 2. On n'a pas beaucoup plus, on n'a pas beaucoup acheté de choses hein, du côté de Flashpoint. On a même Skeppy, regardez, il est seulement à cautériser 1. Dur pour le pauvre Talus. Allez, on a Androxus qui est sur le côté.
On va aller chercher les dash. Transiquer dans la partie église. On claque l'ulti. Bon, c'est bien géré. Skeppy qui s'éloigne, bien évidemment. Non, Skeppy! What the fuck? Skeppy qui pensait sans doute que l'ulti Androxus était terminé et qui derrière il le check carrément. Salut, tu vas bien? Voilà. Et il se prend 3 ulti, 3 rushs d'ulti. C'est un petit peu dommage. Attention, Phobuse. Qui met des bons dégâts là avec son Grover. On n'est pas sur le point du côté des joueurs de Flashpoint. Et voilà, le Terminus qui meurt. Derrière Transic, il va falloir res du côté de Agulhas. Ça y est, il a res. Oh, le rayon! Oh, Phobus qui était un petit peu perdu là et qui a pas de bol en plus. Quand il tombe, se prend le rayon. On réussit à burst Agulhas. Daffy qui réussit à prendre deux bons kills avec son joueur, avec son pick Shaline. Là, le burst. Voilà, du côté de Skeppy, c'est bien. Le Shaline qui est obligé de reculer. Le contrôle du point passe pour Flashpoint. Mais ça veut pas forcément dire grand chose. Ils sont à 46%. Ils ont été obligés de lâcher le point. Transic qui est reparti. Finalement, c'est dommage. Transic aurait pu caper au moins peut-être 10 ou 15%. Il a décidé de décaler. Bon, Storm Avatar qui prend deux balles. On va essayer peut-être d'aller le chercher. Directement, on a Prosper Logique qui veut protéger son support. Ethereal qui prend le kill sur Agulhas. C'est bien hein, parce qu'en fait, là, vous voyez, Ace y met la pression sur la Furia et même Prosper Logique. Donc, ils ont pas bien heal leur Terminus. C'est un petit peu dommage. Ici, le moulinage, le Grover qui tombe. Grover, voilà, il se fait rush par le Talus et il peut pas faire grand-chose parce qu'il a pas trop de réflexes. Il a pas forcément et ça permet à Flashpoint d'y aller. En fait, si vous voulez, Grover, il a un gros défaut. Il a pas un escape instantané comme Maldamba. Vous avez un rush de Talus sur vous, comme ça, du haut du balcon, il tombe sur vous. Bah, vous mettez un petit serpenté et boum, il n'y a plus de dégâts pendant environ une seconde. Et après, il faut qu'il vienne vous chercher. L'ulti de Talus dans la backline sur Madara, mais ça suffit pas. Transic essaye de zoner. Un peu la Inara dans le couloir pour permettre au payload d'avancer. C'est bien joué, hein. Il faut essayer de garder ce couloir, c'est toujours très très important. Voilà, on est au balcon, on a deux joueurs au balcon là. On a le Shaline et le Victor, ça fait peut-être un peu beaucoup. On essaye d'avancer du côté de Phobus, on réussit à placer un cripple sur le Terminus. Terminus qui saute, Terminus qui se fait tuer par Daffy, très bonne flèche. Ce qui est piqué très très low. On notera, et même si je ne l'ai pas dit, un Pac-Bet joue une solo tank hein, avec une Inara tank point et du triple DPS derrière. C'est intéressant comme style de jeu. C'est un style de jeu qui est sans doute un petit peu plus méta cette saison que la saison dernière avec le heal qui a été réduit. La puissance du heal qui a été augmentée, pardon, et avec le nerf de côté Rizero, le rayon ici. On passe dans le couloir, on a Phobus qui a claqué l'ulti Grover pour permettre à son équipe de reculer. Attention, le rush sur Madara et Madara qui tombe. Bien joué, mais c'est un trade kill. Transic est en difficulté, mais avec son Q, il remonte sa barre de vie. Pause mise par Storm Avatar. Peut-être un petit souci. En tout cas, bien joué du côté de Flashpoint. On va réussir à push peut-être et à rentrer dans les derniers mètres du push sur Donjon de Pierre. Je pense qu'il faut qu'ils essayent de reprendre le contrôle du balcon. C'est pas si simple le solo tank sur Donjon de Pierre parce que vous n'avez pas de tank qui va se mettre sur le balcon sur la hauteur et qui va vous permettre à votre DPS d'être complètement free. Vous avez deux DPS et s'il y a vraiment un bomber, ça peut vite être compliqué. Donc on va voir comment les joueurs de Flashpoint vont se positionner sur la hauteur, mais ça serait bien de mettre Transic dans le couloir avec, qu'est-ce qu'il pourrait mettre, le Talus par exemple. Ça pourrait être bien pour essayer de semi-all-in. Mais voilà, donc ouais, solo tank, c'est marrant, cette première game de PPC est intéressante, du double heal face à une solo tank. Transic qui tombe ici, bon kill récupéré par Daffit, là vous voyez les deux tanks sont là. Un petit peu dommage, Daffit qui peut carrément se mettre au niveau du payload et défoncer Storm Avatar. Bon, il reste 54 secondes, Skeppy, faut qu'il s'enfuit. Là, il faut attendre le retour des coéquipiers. Et Ace qui bloque, qui va directement reprendre ce couloir. Hein. Je vous le dis souvent, c'est très important de reprendre ce couloir. Ça donne des difficultés à l'adversaire. Même si là, Daffit, il est obligé de décaler, faut qu'il fasse attention parce que là, il peut prendre la pression. Donc, il recule rapidement avec son Shaline. Victor est resté au niveau du balcon, la hauteur. Voilà, on a Prosper Logique qui se met en face. Mais vous voyez que ne peut pas faire grand-chose là. Faut qu'il mette le roam ici. Tant qu'il n'y a pas le Rome sur ce balcon, ça va être compliqué. Et Rome, pour le moment, veut gérer le couloir. Donc, il n'y a personne sur la hauteur. On met des dégâts. Attention, Ace en difficulté. On essaye de l'aider. Mais Skeppy s'en sort en utilisant sa rune.
Après avoir pris le kill sur Aze, bon burst ici de la part de Prosper Logic. Les genres de flashpoint sont en train d'avancer. Attention, la Inara, faut survivre derrière le mur, c'est compliqué. Madara peut plus mettre de pression. Dafit ne touche pas avec sa pluie de flèches. On perd la Inara, on perd Ethereal. Et là, l'all-in de la part de Talus, mais on n'a pas envie de mourir, donc on appuie sur la touche. La pression sur le terminus, il faut aller sur le point du côté de Phobus. C'est ça le problème d'avoir une solo tank, c'est qu'on n'a pas grand chose une fois que le tank point est mort. Du côté de Haze, on réussit à prendre un bon kill du côté de Transic, c'est bien joué. Est-ce qu'on peut aller chercher l'appui de flèche sur le terminus? Terminus qui temporise, terminus qui meurt. On est en overtime, Prosper Logic qui doit aller sur le point à son tour. Est-ce qu'on peut réussir à passer? C'est compliqué. Inara qui est de nouveau là pour temporiser, qui prend beaucoup de dégâts, qui finit par tomber. Et on réussit à push du côté de Flashpoint. Bien joué de partout entre les deux équipes. Et bah Flashpoint qui réussissent à aller chercher le 2-0 après s'être pris un 2-0. Donc les deux compos qui marchent bien pour le moment. On va voir laquelle sera la meilleure. On a gardé tous les ultis sauf celui de Rome. Du côté de Pac-Bet, on a claqué quand même beaucoup d'ultis. On a claqué l'ulti Grover et l'ulti Androxus il n'y a pas longtemps. 99 000 de dégâts pour Shaline, 95 000 pour Victor. On voit que Shaline, hein, ça DPS quand même pas mal. 108 000 de heal pour le Grover. Mais si on additionne le heal de Furia et le heal de Ying, on est largement, largement devant. Allez, on va voir. Comment ça se passe? Ouais, voilà, il a motivation 3, c'est dans ma avatar. Pour avoir l'ulti Furia, très souvent, ça reste quand même très très fort. Le heal qui a été mis, le rayon. Attention. L'ulti Furia, ça va booster le terminus pour qu'il puisse aller sur le point. Pendant que le Rome va dans la backline et fait d'énormes dégâts avec le Talus. Oh là là, complètement pris en sandwich. Phobus qui essaye de tenir ses coéquipiers. Shaline qui temporise avec un bel ulti. Mais est-ce que ça sera suffisant? On a pris le kill sur Transic, on a fait un 3 pour 1 en faveur de Flashpoint. On a le contrôle du point, le rayon qui touche l'Androxus, mais rien de grave. Terminus qui s'y font. La Inara qui retouche et directement qui se prend un petit coup de massacreuse. Terminus qui est obligé de reculer, qui essaye de tenir. On voit que c'est plus difficile pour son siphon. Oui, il a son siphon de up. Talus qui va prendre un bon kill sur Madara tout en étant safe, en position savant sa rune derrière son off-tank. Goulad, là, il est obligé d'attendre. C'est un peu le défaut de Talus, là. Hein. Vous voyez un des défauts de Talus à niveau pro. Il est obligé d'attendre que sa rune revienne et ça va dépendre de votre deck. C'est pour ça que ça peut être intéressant de prendre le CD sur la rune. Personne sur le point, malheureusement. Et Flashpoint mène 3 à 2 sur cette première map. Attention, Haze qui va s'enfuir, voilà, dans le couloir, le rayon, ça touche et ça touche, attention, ça aurait pu prendre un kill là, c'est pas le cas, on a le Talus qui va rush directement le balcon, là je pense qu'ils ont raison, mais il faudrait d'abord réussir à prendre le contrôle du couloir, ceci le couloir est pas pris, ouais, Transic qui va peut-être un petit peu tôt avec Prosper Logic, ils sont déjà 3 sur le balcon alors que le payload n'est pas encore très très avancé, on décide de reculer tout de même. Du côté de Victor, on va sur le balcon. Ah, c'est dommage, ils n'utilisent pas le fameux couloir qu'ils auraient pu en prendre pour essayer de flanquer la Furia dans le dos. On réussit à prendre le kill sur Skeppy, c'est bien joué. Storm Avatar qui est là-bas, dans l'église. L'inversion, on arrive à temporiser du côté de Haze. Il a placé son inversion, il a touché l'inversion. Résultat, il pouvait dash, mais on voit la puissance de Rome, même si là, il va mourir dû au root cripple de Grover qui va lui cancel son dash. Le rayon, on réussit à prendre le kill sur Dafit. Attention, ça avance vite du côté de l'équipe Flashpoint. C'est compliqué, il claque l'ulti à Ace pour essayer de temporiser. Ouais, c'est ça, il a claqué l'ulti avec son Androxus, il avait une position typique pour un ulti. L'ulti Furia qui a été claqué et ça va essayer de burst. On réussit à prendre le kill sur Inara, c'est la catastrophe. Le Grover qui va devoir peut-être retourner sur le point comme tout à l'heure. Haze qui se fait toucher, voilà Grover qui y va avec son ulti. Ça y est, son ulti est terminé, ça va être compliqué. Dafit qui va mourir, Ethereal qui est de nouveau là, mais le Phobus qui va mourir. Il ne reste plus que la Inara et Madara pour tenir. C'est pratiquement impossible de tenir dans ce genre de cas. Il utilise l'impasse, il va aller chercher les coups de pression là sur les deux joueurs. Il essaye de trouver l'Androxus, Storm Avatar qui devrait être capable de tuer Haze. On va réussir à tuer le Shaline et c'est terminé. Flashpoint GGEU qui gagne donc sa première map dans cette PPC face à Pac-Bet. Ça n'a pas été facile la première manche, mais la compo qui a tenu, Furia Ying qui a tenu sur la longueur, parce que finalement le gothérisé étant qu'à 75% maintenant les heals, bah, vous les compterez pas autant que ça. C'est sûr qu'en 2019, si vous aviez joué une compo
comme ça, face à du cautérisé 3, ça aurait été beaucoup moins impactant. Là, maintenant, avec le cautérisé à 75%, une ying va quand même vous soigner de pratiquement... 25% de 400, donc 200 par illusion, et puis quand il y aura pas le cautérisé, bah, ça fonctionnera, et puis ça fait quand même beaucoup de dégâts. On va voir les dégâts un petit peu de Ying, et au niveau crédit surtout, voilà, 106 000 de dégâts. Regardez Prosper Logique comment il arcari son équipe, 106 000 de dégâts. Bon, bien évidemment, beaucoup plus de dégâts pour Shaline et Victor, mais faut pas oublier qu'il y a la carte Rome, hein, et Rome, ça permet souvent, regardez, 209 000 de dégâts Taken, Rome. C'est pour ça hein, qu'il y a autant de dégâts. Ying a vraiment fait le taf dans cette première map. On se retrouve tout de suite pour les Pikeban de la deuxième map de ce BO5. Et on est parti, la deuxième map de ce BO5 sera Plage de Serpent. 4-2 donc pour Flashpoint contre Pac-Bet. Aïe, 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 aïe. Bah on l'a vu, hein, cette compo double heal qui a fonctionné. Il faut savoir que durant la dernière semaine des qualifications, celle pour la quatrième semaine des qualifications, District 69 apparemment aurait entre guillemets troll toutes les équipes et aurait joué double heal dans toutes les games. Donc voilà, ça vous donne un petit exemple de la force du double heal. C'est quand même assez solide. Je me demande si District 69 fera ça aussi également cette saison. Mais c'est vrai que le double heal dans 5 joueurs, bah, c'est très puissant. Moi, je suis un peu désolé par ça. Hein. C'est-à-dire que si on se retrouve avec une méta double heal à chaque game, bah, j'espère qu'on va remettre le cautérisé à 90. Quoi, parce que voilà, parce que c'est pas. Dans un jeu à 5 joueurs, si tu joues double support, c'est quand même un peu dérangeant. Je trouve que double support, ça se joue que quand on joue à 6. Et encore, hein, dans Team Fortress 2, on jouait qu'un médic. Et on était 6 pourtant dans les games compétitives. Mais c'est vrai que dans Overwatch, il y a 2 supports. C'est logique. Je trouve ça un peu bizarre qu'il y ait 2 supports dans une game, dans un jeu où on n'est que 5. Mais bon, après, ça reste mon avis. Côté Flashpoint, on a First Pick une Liane et on a récupéré derrière un Victor et une Inara côté Pac-Bet. Une nouvelle fois Inara, oh ça repart sur un peu la même composition, sauf que côté Flashpoint on est parti sur une Liane, mais derrière on prend le Terminus pour Agulad et pour Storm Avatar la Furia. Côté Pac-Bet on va prendre un Bomb King, 100% ban pour le moment dans cette compétition. Forcément les bans ont été et les pick rates ont été reset pour la compétition. On a Grover qui a été récupéré pour Pac-Bet. C'est un healer très correct. C'est vrai que Phobus l'aime beaucoup a priori. Rome pour Transic. Et est-ce qu'on va avoir de nouveau la Ying pour Prosper Logique? On repartirait sur la même composition pour Flashpoint pratiquement. Sauf qu'on aurait passé d'un Talus à une Liane. Et oui, la Ying de Prosper Logique est là. Donc on repart sur du double healer avec un off-tank comme Rome. Côté Pac-Bet, on va partir sur une Ashe. Intéressant. Intéressant. Ashe qui est un personnage qu'on risque de voir un petit peu plus hein, depuis le réup. J'en ai parlé dans le point sur Ashe qui est sorti cette semaine. Je vous conseille de le regarder. Ou la semaine dernière, ça dépend quand je vous publie cette vidéo. Vraiment, Ashe revient. Ashe revient et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de canne. Il n'y a pas de canne dans cette game. On a décidé de pas jouer canne. Pourquoi pas, même si contre Rome, ça reste un bon personnage, je trouve. Un petit peu dommage de ne pas le voir ici. Allez, on est parti. Sur Plage de Serpent, on a pris du côté Rizé. On est sur les légendaires assez classiques. Éminence du côté de Liane. La bienveillance du côté de Furia. On n'est pas passé à une Furia rayon sous prétexte que bienveillance s'est fait nerf. Un petit peu, enfin de 10% tout de même. Ça reste quand même le style de jeu le plus intéressant grâce à la portée augmentée. C'est surtout pour ça hein, qu'on joue Furia, c'est pour la portée augmentée du sort. Bienveillance, attention, Haze, il essaye d'aller chercher Transic mais il n'était pas dans le coin. Là, le positionnement de Daffit, putain, Daffit il s'est fait tuer là. Tu sens bien que c'est un Rome console parce qu'il met énormément de balles dans la tête. Donc le DPS que vous connaissez de Rome sur PC, je peux vous assurer que là c'est un DPS beaucoup plus élevé parce qu'il met beaucoup plus de balles dans la tête avec son Rome. Là, Ace qui s'est un petit peu commit et Flashpoint qui complètement free cap, même si on a Pac-Bet qui s'est éthéréal, qui a dû se mettre sur le point. Là, on meurt en domino, Phobus. Ouais, Phobus qui se suicide, il sait que c'est fini. Là, en tout cas, il avait un positionnement pour mourir. Je vous dis souvent, il faut
jamais se mettre là sur Plage de Serpent. En plus, on a fait il n'y a pas longtemps l'étude de map. Donc là, vous allez pouvoir voir un petit peu l'effectif et voir à quel point, quand Ikir nous dit qu'il ne faut pas se mettre là, faut pas se mettre là. Et quand il nous dit qu'il faut se mettre là, il faut se mettre là. Regardez Pagmet directement qui se prend, mais sur la hauteur. Un petit cours sur Plage de Serpent, très important d'avoir la hauteur. C'est un peu dommage que Haze soit en bas. Phobus soit en, ouais, avec le Bomb King, soit en bas. Il ferait mieux d'être en haut avec la hache ou au niveau de torche pour essayer de spammer. Parce que là, il prend beaucoup de pression en étant en bas. Donc la Clutty du côté de Phobus pour essayer de protéger son Haze. Ça a tenu, Transic est mort. Le burst sur le Grover, Grover qui arrive à survivre. Ouais, on va réussir à temporiser là. On va réussir à temporiser avec ce qu'il a récupéré sur Transic. On fuit du côté de Terminus. Et on a Dafit en haut avec son Victor qui spam. Qui essaye d'infliger beaucoup de dégâts. Alors Ying, Ying et Lian sont positionnés pour faire mal justement au Victor. Oh, Dafit, bien joué là. Qui prend un très bon kill. Et qui va permettre de gagner à chaque fois. Là, vous gagnez une quinzaine, vingtaine de secondes à peu près. Donc c'est vraiment bien. Grover qui est vachement avancé. Hein. Phobus est hyper agressif. Pause qui a été mise par Storm Avatar. A priori, il y aura un souci. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois qu'il y a un souci pour les joueurs de Flashpoint. Peut-être un souci de ping ou un souci de lag. C'est Prosper Logic qui s'est fait burn d'ailleurs. Vu sur les caméras des streamers, quelle chance. Heureusement, je ne vous mets jamais ma tête en gros plan comme ça. Vous feriez peut-être des cauchemars, donc on va éviter. Voilà. Mais vraiment, une compétition intéressante pour le moment. Je me demande vers quelle méta on va tendre. Et surtout, comment va répondre Ayrez si on s'installe sur une méta double heal. Est-ce qu'ils vont nerfer les healers? Est-ce qu'ils vont nerfer les valeurs de heal? En fait, est-ce qu'ils vont rester dans leur ego, c'est-à-dire dire « Ouais, non, mais on veut que le cautérisé soit toujours à 75, donc on va nerfer les valeurs de heal jusqu'au point qu'on ait l'impression qu'un healer ne peut plus remonter les barres de vie ?» Ou est-ce qu'ils vont remettre le cautérisé à 90 pour avoir cette impression que le mec a juste, en fait, hein, on rappelle hein, que c'est juste pour les noobs, hein, parce que le cautérisé à 90... Il suffit juste d'attendre qu'il soit enlevé et ton healer il heal beaucoup. Alors que si tu nerfs les valeurs de heal et que tu laisses le cautérisé à 75%, pour moi c'est de l'ego, c'est-à-dire c'est pour que les noobs s'amusent à avoir toujours une valeur de heal, avoir à peu près la même valeur de heal qui est cautérisé ou pas. Donc ils ont qu'à retirer cautérisé du jeu et mettre les heals à 10 quoi. Et comme ça on heal à 10 et voilà. Enfin bref, c'est mon avis. Je suis pour le cautérisé à 90%. Je trouve que c'est logique et c'est au moins ça rend le jeu un peu plus qu'il est. Et ça évite qu'on se tape des compos avec double ou triple heal, comme on risque de voir dans certaines games. En tout cas, j'espère pas que ça va s'installer, parce que c'est pas un style de jeu que je trouve très fun. On est parti avec Victor qui va infliger beaucoup de dégâts sur la petite, sur la liane et sur Prosper Logic. Bon là, ils ont réussi à prendre le kill. Et c'est là qu'on voit sur Plage de Serpent l'analyse de map. Quand je vous dis que si vous avez la hauteur, bon là, ils sont carrément dominants, pas de bête, donc ils descendent. Même si c'est un peu risqué, ça serait pas forcément le cas de toutes les équipes d'arriver à... Bon, Grover peut remonter avec sa liane. Ah, je peux pas vraiment. Ace peut remonter aussi. Voilà, on a quand même... Voilà, le Grover, il est remonté. Grover, il est remonté. On a Transic qui est en bas. Ils vont essayer d'attaquer par le bas. Mais on voit bien, c'est très très compliqué d'attaquer par le bas. Ils vont peut-être réussir à tuer Ace. Là, c'est là qu'on voit le heal. Dommage, Pac-Bet n'était pas... Flashpoint n'était pas sur le point et ça permet à Pac-Bet de revenir, Flashpoint de revenir à 1 partout. Allez, on va voir comment ça se passe. Non, Pac-Bet de revenir à 1 partout. Bref, là on voit le deck de Roam, il n'a pas vraiment changé. On est toujours sur la réduction hein, du dash. Il augmente la distance de son dash et il augmente le heal. Ouais, d'accord, il est allé chercher. Et là, on est parti sur du 9 points dans le reset des éliminations. Tiens, c'est intéressant. Et 4 points dans la distance du dash. Côté Bomb King, on prend 4 points dans la mécanique de rechargement. C'est quasiment obligatoire. Et seulement 4 points dans les PV et 5 points dans le heal. On voit qu'on est dans une saison où le heal est vraiment très très impactant. On va prendre du life free, du vol de vie sur la mire de Victor. On va prendre du heal sur les bombes de Bomb King avec 75% de heal. On prend le lifesteal du côté de H. Enfin bref, il y a du heal de partout. Ace qui s'est fait burst là malheureusement. C'est dommage. Et Transic qui prend des dégâts mais qui pour le moment s'en bat un peu les couilles des dégâts de H. Puisque H fait quand même assez peu de dégâts, hein, 400 de dégâts par seconde. C'était bien quand il y avait le cautérisé 90 parce que H elle te faisait du 400, mais elle te réduisait ton heal de 90%. Ce qui fait que c'était
tu pouvais tenir, mais maintenant 400 dans un personnage qui anti-heal seulement à 25 au début de la partie, bon forcément ça se ressent un petit peu. Prosper logique qui fait d'énormes dégâts là, mais est-ce que ça sera suffisant du côté de Pac-Bet? On est vraiment ultra paqué sur le point, on a les deux tanks au même endroit, mais what the fuck Pac-Bet! Et résultat, ils se font complètement défoncer le cul. Comment ça se fait qu'une H ulti sur le point quand c'est un 9 tank à ce level là de compétition? C'est assez étrange puisque ça permet derrière de tuer tout le monde, hein. Là on l'a vu, je vous le dis et je vous le répète, ne foutez jamais les deux tanks au même endroit puisque ça permet à l'équipe adverse de passer sur les côtés et de vous mettre une énorme pression. Là on a Ace qui va rejouer sur la hauteur. J'ai l'impression que Pac-Bet va réussir à assez bien défendre grâce à la hauteur. En tout cas, ça se ressent comme ça. On va voir si la deuxième manche va fonctionner pareil. Mais j'ai l'impression que sur le point central, on n'a pas assez de heal. Un Grover, ça fait des dégâts, ça cripple, c'est intéressant, ça fait du contrôle. Mais ça heal pas autant qu'une Furia. Ouf, l'ulti qui a été claqué à Goulad. Pof, le burst de pauvre Madara qui s'était fait stun par Rome. Derrière, on va appliquer le stun du côté de Ace. Mais regardez comment il s'en bat littéralement les couilles, le joueur de Rome, de se prendre un ulti Bomb King. C'est incroyable. La plupart des tanks sont en PLS quand ils se prennent un ulti Bomb King. Ils croisent les doigts, ils serrent les fesses pour essayer de survivre. Rome, lui, c'est tranquille. Lui, c'est tranquille. Oh, on a pris la hauteur. Regardez, on a pris la hauteur. On a réussi à passer par l'escalier. Ils n'ont pas beaucoup de verticalité, les joueurs de Flashpoint. Et ben, ils ont réussi à passer. Là, il y a le Terminus qui tank pour l'Aliane qui est derrière et qui essaye d'infliger des dégâts. Attention, Terminus, faut essayer de survivre. On n'arrive pas à passer. L'Aliane, il y a Prosper Logique qui essaye d'arras. On réussit quand même à prendre le kill sur Agulad, ce qui force l'Aliane à fuir. Oh là là, c'était chaud parce que Flashpoint avait réussi à faire le plus dur, passer derrière, passer par l'escalier et reprendre le Ruin Top, voir à quel point c'est important d'avoir cette zone-là. Mais là, Ace récupère, double kill, Transic va passer, on le laisse passer, c'est le TGV, faut le laisser passer. Et on reprend la hauteur, voilà, donc toujours la même chose, c'est difficile de passer sans verticalité. C'est vrai que côté Flashpoint, bah, il leur manque une petite Eevee, une Miv, un Androxus, quelque chose comme ça. C'est forcément une compo qui est très rattachée au sol, même si Terminus peut légèrement monter et Ying peut utiliser ses illusions pour monter sur la hauteur. C'est quand même pas aussi ouf qu'une Miv, une Eevee ou un Androxus, très clairement. Attention, Transic essaye d'infliger des dégâts, là il a encore son ultimate avec Rome. Il va dash. Ils vont essayer d'aller mettre la pression sur la Inara. La Inara est tombée. Catastrophe générale pour les joueurs de Pac-Bet. Phobuse a claqué l'ulti un tout petit peu trop tard. Et Phobuse ne peut absolument pas soigner Ace. Ace se fait tuer ici par Prosper Logique. Derrière, c'est Dafit qui est en grande difficulté. Il faut que Phobuse aille le soigner. Oui, il va y aller, Phobuse. Il y va, il tourne un petit peu. Victor, on réussit à prendre le kill sur Dafit, c'est bien joué la grenade. On va décider de raise ou pas du côté de Flashpoint, a priori non, la bombe paf. On va économiser l'ulti, bon, c'est un choix de la part de Flashpoint. Ils se disent, on est bon sur le point central, autant essayer de gagner la game 4-3, au pire, vu que les joueurs de Pac-Bet n'arrivent pas à gérer le point central. De partout, entre les deux équipes, on a décidé de garder l'ulti Terminus. C'est un choix, on a gardé les 4 ultis du côté de Pac-Bet puisqu'on a bien vu l'ulti Grover qui a été claqué après que la Inara soit morte malheureusement. Regardez, Victor il a 40% de lifesteal quand il utilise le sight, donc quand il utilise son zoom, Samir. C'est vraiment, on est vraiment dans une méta maintenant, on prend l'huile de partout, Inara elle a le 125 PV sur la grâce maternelle, alors qu'avant on mettait pas forcément, on mettait 3 points ou 5 points, ça va dépendre des decks, mais vraiment maintenant il y a de l'huile de partout sur tous les joueurs, sur tous les picks. H prend bien évidemment le 50% de lifesteal, bon 40 ou 50% pour pouvoir se soigner, c'est très correct, permet de se soigner à 200 par auto. Le rayon qui passe sur la hache. Là voilà, hache elle a sa position emblématique, elle a son ascendance, elle peut vraiment embêter. Storm Avatar, il garde bien évidemment ses fulminailles. Fulminel, attention le beurre sur Prosper Logique, il ne mourra pas, mais il a pris cher, il est obligé de faire attention au fight. La liane, elle avait dash, il a essayé de la punir. C'était la réponse à ta dash. Bah, je vais t'ulti, mais dommage, il n'y a qu'un seul missile qui passe. Madara qui prend des kills, là on voit pas trop ce qui se passe. Transic qui a pris quand même un double kill, mais Madara prend le kill sur Skeppy, c'est très serré, c'est un 3 pour 3 sur cette action. Avec Transic qui est dans la backline, oh y a la hache qui va mourir malheureusement. J'ai compris ce qui s'est passé, on l'a pas vu, mais la hache elle a sans doute claqué l'ulti dans la backline. Et après son ulti, elle avait peur de mourir, elle a utilisé son coup d'épaule pour se barrer dans le camp adverse. Mais en faisant ça, elle s'est fait poursuivre par Rome.
On a Inara qui doit retoucher, elle va passer voilà, par le move classique ici, c'est de se mettre là, jusqu'à 90% où il faut retoucher. Ace qui va aller claquer l'ultime. Regardez, il abandonne. Alors ça, ça montre à quel point Rome, il n'a pas été suffisamment nerf. Quand tu mets un stun sur un tank et que tu dis, bon, je le tuerai pas de toute façon, double kill de Skeppy, il faut buzz encore une nouvelle fois, peut-être trop avancé avec son Grover et les joueurs de Flashpoint qui vont gagner sur cette manche. On s'était serré du cul cette fois-ci pour Pac-Bet. Ça a été très, très proche de caper le point, mais ce n'est pas suffisant et Flashpoint qui continue de dominer cette deuxième map. 3-2, ils sont à un point, à un push de gagner 4-2. Alors après, est-ce qu'ils vont y arriver, hein? La question, c'est est-ce qu'avec leur compo, ils peuvent réussir à push sur Plage de Serpent contre une équipe qui joue bien la verticalité, qui joue bien la hauteur. Alors vous allez me dire, oui, mais si Pac-Bet cap le point, eux aussi, ils n'ont pas beaucoup de verticalité. Ah, ils ont quand même H qui peut essayer d'ulti sur une hauteur pour prendre le balcon avec un Bomb King qui peut la suivre. Ça peut le faire. C'est pas dingue, hein? On est d'accord, c'est pas dingue. Mais c'est déjà mieux que Flashpoint. Après, Flashpoint, c'est une équipe console, donc j'ai tendance à penser que c'est normal que sur Flash de Flashpoint, les équipes qui jouent manette, bah, y a peu de personnages avec de la verticalité qui se jouent. Parce que Talus, pour monter, c'est galère, il faut utiliser un ulti. Ouais, donc vu que Mi et Eevee sont un peu moins joués sur console, pas injouable, hein, Skeppy la joue, Eevee. Mais justement, je crois qu'il a joué avec un clavier souris. Maintenant. Allez, on a Transi qui va aller, paf, mettre la pression sur Aze. Voilà, il est complètement impuni. Et avec le Terminus, hein, qu'est-ce que c'est fort, Terminus avec Rome. Parce qu'il peut siphon pour lui. Le bump de Madara. Heureusement qu'il y a ce mini-bump parce que là, ça sentait pas bon pour les joueurs de Pac-Bet. Bien joué, ils ont réussi à complètement reset. On garde l'ulti du côté de Terminus. Ce qui est un peu dommage, c'est que Terminus, il claque jamais son ulti. Il a encore son ulti là et il ne l'utilisera pas parce qu'il reste 50 secondes avant la fin. Et vous le savez, en général, il y a une règle classique chez les pros. On claque l'ulti jusqu'à, allez, 1 minute 5 avant la fin quand on ne meurt pas et quand on pense pas mourir. Sinon, on l'économise pour la manche suivante car on n'aurait pas le temps de le remonter pour la majorité des cas. Ça va être pas forcément le cas pour une Ying ou un Grover qui aura une motivation 3 ou une Furia, mais... Pour les personnages, on va dire, qui ne prennent pas motivation et qui n'ont pas de mécanique pour booster leur charge ulti. Madara qui réussit à prendre le... Madara qui tombe des coups de Terminus, donc il faut faire attention. Là, on a Dafit sur la hauteur. On a Ace qui est positionné ici un peu la position des snipers, même si c'est plus bas la position des snipers. Là, l'avantage avec Bomb King, c'est que vous pouvez utiliser les bombes et mettre la pression sur les adversaires. On a Prosper Logic qui est dans... Ouais, Ruinbot qui s'est fait tuer. Il aurait dû partir depuis un petit moment. La pression sur Transic, regardez comment on abandonne à chaque fois qu'on tape ce Rome. On fait ouais, oh, et voilà, il aurait pas dû. Phobuz, il fait des erreurs, il est un peu trop agressif. Faudra vraiment qu'il regarde ses replays et qui claquait l'ultime et qui était en canalisation. On essaye de prendre tous les kills. Là, ça passe pour les joueurs de Flashpoint, mais il y aura encore une possibilité de défendre. On est en overtime. Là, la position de défense classique, c'est la position de Victor. Parce que si vous mettez un tank au niveau de la fissure, là, voilà, Madara qui s'y met, ça empêche le payload d'avancer, donc c'est très pratique. Ace qui va essayer d'attaquer dans le dos, voilà, pour Storm Avatar, la pression sur la Furia, la bombe grognon qui est pas mal, il sait qu'il va utiliser la fulminale dans cette direction. Ace, il a pré-shot le move de Storm Avatar, qui est un move assez logique. Si vous saviez ce qu'allait faire Storm Avatar, bah, vous êtes un génie, bravo à vous. Mais c'est logique en fait qu'il fasse des fulminales, et Ace avait un petit peu tenu ça. Pac-Bet qui défend et qui revient donc à 3 partout. Et voilà, donc exemple typique sur Plage de Serpent, c'est vraiment... entre la théorie, on avait la semaine dernière la vidéo sur Plage de Serpent Analyse où je joue justement BK, bon, aussi bien que Ace, non pas du tout, mais voilà. Et vous avez ensuite l'analyse, en plus mon analyse dure 30-35 minutes d'analyse, et là vous avez vraiment, vous pouvez mettre en application ce que vous avez appris, et vous voyez que bah, je raconte pas que des conneries, hein, je raconte pas que des conneries, voilà. Non mais c'est bien. Je pense que l'analyse de map, c'est regardé par un peu moins de gens que les dans la tête d'un pro, les best-of et trucs comme ça. Mais c'est pas grave, ceux qui regardent assidûment, qui prennent des notes, qui retiennent, vont vraiment beaucoup progresser. Parce qu'on voit, même des erreurs, que, à ce niveau-là, on voit même des joueurs qui font des erreurs et qui n'écoutent pas ce que je dis dans la vidéo. Donc il y a même des joueurs, bon, le niveau sur la scène professionnelle a un petit peu diminué forcément, vu que les joueurs sont moins payés qu'avant, sont plus payés, mais voilà.
Mais voilà, c'est bien joué là. Vous voyez, ils ont pris la hauteur. Ils ont pris la hauteur, donc c'est vraiment bien joué. Et là, Pac-Bet qui a complètement dominé son sujet. Après, Flashpoint a encore 4 ultis, 5 ultis même, puisque Ying va bientôt l'avoir. Donc là, ça va être. Comment ça va se passer? Pac-Bet, ulti de H, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut bump? Non, ça c'était pas très bien. Il a perdu du temps. Et c'est peut-être ça qui fait que Skeppy survit. Le fait de vouloir bumper ici dans cette situation a peut-être sauvé. Parce que c'est ces fameuses explosions cinétiques qui met vachement de temps à charger et qui vous empêche de mettre un shot de plus. On essaye de tuer Agulad, mais Agulad peut ressusciter. Hey, attention, il est mal positionné. Oh, il va se faire punir. Il aurait dû bouger. Oh non, c'est bon. Ça passe, on réussit à prendre le kill sur Skeppy. Oh, ça a failli glisser là, parce qu'il est pas sur un bon endroit avec son Bomb King. Ça passe, Prosper Logic qui va devoir aller sur le point. Mais Pac-Bet qui fait complètement la différence sur cette dernière manche. Et ils réussissent à le faire. Ils ont serré les fesses très longtemps dans cette game. Ils ont réussi à défendre 3 fois. Et derrière, ils sortent un fight très intéressant et très bien joué. C'était chaud, bien joué à Pac-Bet qui joue son Vatu. Alors certains diront, ah, ils ont volé la game, mais en fait non. Bah non, ils ont pas volé la game, parce que Flashpoint, ils sont sympas, mais ils partent sur une compo qui ne pushera pas sur Plage de Serpent. À level égal, c'est très difficile de push sur Plage de Serpent avec la compo Flashpoint. Donc Flashpoint, c'est très bien, ils misent d'une certaine manière sur leur compo pour gagner 4-3 et ils n'y arrivent pas. Pac-Bet, il réussit à le faire, donc bravo à Pac-Bet. Là, il faut pas dire, ouais, mais ils ont capé les 3 points, ils méritent de gagner. Bah non, parce que s'ils voulaient vraiment gagner, bah ils joueraient une composition qui n'est pas basée sur le point. Et voilà, et donc bien joué. C'était très intéressant comme game, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve tout de suite pour les pick et ban de la 3ème map. A tout de suite. Allez, on est parti pour la prochaine map, les amis, et ça sera Mangrove. Et il y a un partout dans ce BO5 entre l'équipe de Flashpoint et l'équipe Pac-Bet. Ça va être intéressant. Est-ce que Flashpoint va changer de stratégie ou est-ce qu'ils vont repartir sur la stratégie à base de Ying plus Furia, double heal? On commence par un ban BK, on veut pas voir le BK de Ace, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de DPS dans la game précédente, donc on décide de le retirer sur cette map Mangrove, c'est vrai que c'est un personnage très puissant. On ban Genos, et on ban Victor, on ne change pas les bans des deux côtés, donc une nouvelle fois, Rome est laissé dispo. Le combo Furia Ying aussi. Donc on va voir si Flashpoint repart sur les mêmes drafts. Oui, c'est le first pick Rome. 100% de pick rate. Pour le moment, dans cette PPC qui vient juste de commencer, on est sur un 50% de win rate. Une victoire, une défaite. Pac-Bet récupère une Viviane qui avait été 100% ban jusque-là. Et on la récupère côté Pac-Bet pour pas la laisser au Flashpoint. Hein. Inara récupéré pour Pac-Bet, le tank point. On verra si on partira sur une solo tank comme on a pu le voir dans la première map. C'est vrai qu'Inara le permet, hein. C'est sans doute le meilleur tank point pour ça. Furia pour Flashpoint et Talus. Côté Pac-Bet, on pourrait partir sur une Ying. Les joueurs de Flashpoint, on les voit, ils sont habitués à leur pick. Hein. On a le Rome, on a le Talus pour Skeppy, Grover pour Phobus. C'est vraiment des joueurs qui jouent leur pick. Hein. Ils ne jouent pas forcément la draft sur leur plein potentiel. Ils ont vraiment une stratégie et un style de jeu qu'ils veulent répéter. On aura une nouvelle fois un Grover pour Phobus, une Cassie cette fois-ci. Et on va pouvoir repartir sur le Terminus Ying si on le veut côté Flashpoint. Est-ce que ça sera la 3ème fois qu'on se tape Furia, Ying? Non, c'est une Tyra pour Flashpoint. Cette fois-ci, on veut vraiment avoir un gros impact sur le point. Tyra très puissante parce qu'elle réduit les heals de 60% avec sa Molotov maintenant. Donc ça commence à être vraiment pas dégueulasse. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne avec le côté risé, mais normalement c'est la valeur de heal, d'anti-heal la plus haute, plus un tiers de la deuxième valeur. Donc imaginons vous avez côté risé à 75%. Et vous êtes dans un brûle-sale monstre de Tyra. Vous n'êtes pas anti-heal de 135%, hein, ça serait débile. Vous êtes anti-heal seulement de 75 plus 20 quand même. Donc c'est pas dégueu. 75 plus 20, donc ça fait 95. Je pense que ça doit faire fonctionner un peu comme ça. Donc ça fait quand même un gros anti-heal. Hein. Donc ne restez pas dans une Molotov si vous êtes en plus un personnage qui veut être heal et voilà.
Vu que c'est des joueurs console, je pense qu'ils vont jouer la légendaire Brûle Sale Monstre, oui, les joueurs de Flashpoint. Et non, Skeppy va jouer. Ah, bah ça fait plaisir, parce que c'est pour moi la version la plus intéressante de Tyra, et au moins elle est dévoilée au grand jour. C'est la version avec le burst du clic droit. Et bah ça fait très plaisir. Est-ce qu'il va rester là-dessus? A priori, oui, il va rester là-dessus. Donc ça permet à Tyra d'avoir, bah, d'être un petit peu une Cassie. Un petit peu une Cassie, voilà. Bon, elle a pas la roulade, mais elle a du burst. C'est une Tyra sur lequel il faut faire attention. Donc il y a un petit défaut sur ce burst, c'est que bah, elle ne peut pas tirer pendant qu'elle lance l'animation. Alors que Cassie, bon, l'impulsion, c'est vraiment une animation très très courte comparée à la grenade. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Transic qui prend beaucoup la pression et on le gère cette fois-ci. Bien joué. Il commence à s'habituer, Pac-Bet, sans doute. C'est un peu le défaut de vouloir jouer tout le temps la même composition, c'est que Pac-Bet semble s'habituer un petit peu au style de jeu du Rome de Transic. On va essayer d'aller en Phobus carrément pas sur le point. On laisse la Inara sur le point. Le Can avance avec la Viviane et le Grover. Inarrêtable. Allez, on zone. Transic qui veut y aller avec son dash. Phobus qui a... ça va. Ça va, le Transic n'a décidé de pas finalement y aller, donc ça passe tranquille. La Cassie. Et Transic. Qui essaye d'infliger des dégâts. Mais ses DPS sont assez loin derrière, donc il faut que Skeppy il essaye d'aller attaquer la backline, mais c'est compliqué. Hein. Il y a Cassie qui zone. Là, voilà, on fait vraiment un mur. On empêche le Talus de flanquer. Il a pris le dégagé, il a été obligé de s'enfuir là. La Cassie qui passe au-dessus. Oh, l'outil de Transic qui permet de sécuriser un stun sur le Can et sur le Grover derrière sa mouline et ça récupère tous les kills. Flashpoint qui défend en ce début d'attaque pour les joueurs de Pac-Bet. Et on le voit bien, c'est vrai que Ayres nous avait dit que durant la PPC, on ne verrait pas tous les matchs, mais on verrait les matchs choisis par la société pour être les plus intéressants. Et c'est vrai que pour le moment, ce match est extrêmement serré entre ces deux équipes. Je pense que d'ici là, on risque de voir assez peu de matchs de District 69. Parce que les 69, ils vont peut-être rouler sur tout le monde. Donc peut-être qu'on les verra de temps en temps. Mais, Allez, Dafit est là qui prouve à quel point Rome, c'est monstrueux quand même. Grover qui a décidé de ne pas claquer son ulti, il aurait pu faire gagner sa Viviane en appuyant sur l'ulti, il a décidé de ne pas le faire. Et ici, il prend le kill sur Transic, l'ulti de Talus qui permet de sécuriser le kill. Derrière, il enchaîne et prend le kill sur Phobus. Skeppy, cette fois-ci, il est sur Tyra. C'est vrai que les Flashpoints ici ont changé un petit peu leur pick puisque c'est Aigulat qui va jouer le Talus. Transic qui est toujours sur le Rome. Et c'est qui joue pour Flashpoint là? C'est Deathrunner. Deathrunner qui joue pour Flashpoint. On a plus. On a changé un joueur là côté Flashpoint, je crois. Attention, on prend le kill sur Storm Avatar. Attention, les bons dégâts. Le stun sur le joueur de Rome. Faut essayer de. Mais regardez, à chaque fois qu'ils stun Rome, ils arrêtent de taper dessus parce qu'ils savent qu'ils. En fait, on voit bien le problème. Hein, c'est qu'on perd trop de temps à tuer Rome. Résultat, derrière, on décide d'arrêter de taper dessus. Parce que c'est pas la solution. Même si là, les joueurs de Flashpoint ont réussi à récupérer de très très bons kills. Ce qui assure la défense. Prosper Logic n'est plus chez Flashpoint. Bah, Prosper Logic était là dans les games précédentes, mais il n'est pas dans celle-ci, donc peut-être qu'il a eu un souci. Il n'est pas présent en effet, et c'est Deathrunner qui le remplace. J'avais pas vu, mais si Prosper Logic était dans la game, alors peut-être pas dans la game précédente. Si, il a joué les deux fois la Ying. Il a joué les deux fois la Ying. Donc quand il n'y a pas Ying, Prosper Logic ne joue plus. Il a décidé de bouder. Il a décidé de bouder un coup. Et donc là, vous voyez, on va jouer la DR. Hein. Ce qui est vraiment très très fort. Pourquoi on joue cette légendaire est forte sur Tyra? C'est vraiment pour les dégâts, mais c'est surtout pour la DR que ça apporte. Ça rend vraiment Tyra incroyable parce qu'elle subit 20% de dégâts en moins pendant 3 secondes. Et elle a 3 stacks, donc ça veut dire que pendant 9 secondes, elle peut se démerder pour ne pas prendre de dégâts. Allez, on zone les adversaires.
On a Transic qui va essayer d'attaquer la backline, Phobus, est-ce qu'il va décider d'y aller après? Parce que Grover, il a plus d'immune contrôle. Oh, attention, il s'est un peu perdu là avec sa Cassie, ça aurait pu être dangereux. On claque la Molotov sur le point, Ethereal qui recule. Voilà, il va se mettre contre le mur ici. Le Terminus qui a décidé de ne pas raise parce qu'on est en début de fight, pourquoi pas, mais il faut que les joueurs de Flashpoint ne meurent pas derrière. On joue avec le puits hein, du côté de l'équipe des joueurs. Bon, est-ce que c'est un puits, je ne sais pas, mais ça y ressemble en tout cas. Attention, on place un stun sur le joueur de Rome, mais derrière, paf, ça va mouliner et on met la punition directe, double kill. Non, un killing spree de la part de Transic, on a réussi à gagner le 2v2 puisque c'était un Khan Cassie contre Rome Talus. Très bon stun ici de la part de Dafit, de la passe de Transic, mais pas de kill récupérable. Le joueur de Grover est très très low, on réussit à punir Transic qui a voulu vraiment essayer de tuer Phobus sur ce coup. Est-ce qu'on va pouvoir retoucher Ace qui prend le kill sur Deathrunner? Mais Deathrunner, il est mal positionné pour Rez, donc il va décider de ne pas Rez. Inara qui va retoucher le point. Lutti, ici. Deathrunner qui a finalement Rez. Si, si, il a Rez. Il va essayer d'aller chercher la Vivian dans un contre 1, mais c'est très, très compliqué. Il essaye d'aller chercher du siphon, mais le problème, c'est qu'il était trop, trop bas en vie. Et le problème, parfois, avec Terminus, c'est quand vous avez trop de stacks de clics droits, l'animation dure trop longtemps, et donc, vous devez attendre trop longtemps pour appuyer sur le siphon. C'est un peu le défaut de Terminus parfois. Attention, les dégâts qui sont mis. Hop. Transic qui attaque dans la backline. L'outil de Cassie qui a été utilisé. Ça permet d'avoir la vision et de rendre Cassie beaucoup plus difficilement chopable. On réussit à prendre le kill sur Transic. Ah, c'est dommage, hein. Transic était un petit peu seul là. Et on zone du côté de Dafit avec les drones et on voit la victoire, la puissance de Vivian sur le pauvre Talus là-dessus. C'est dur pour Storm Avatar puisqu'il était en bas. On va réussir à prendre le kill sur Skeppy. Et les joueurs de Pac-Bet font complètement la différence. Ils sont à quelques mètres de marquer le 2-0 sur cette troisième map. Allez, est-ce qu'on peut zoner les adversaires jusqu'au bout? Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils vont pouvoir retoucher? Oui, on crée un overtime hein, du côté du Terminus. Mais il meurt malgré la Molotov pour essayer de l'aider. Il est tombé derrière Transic qui est en difficulté. Transic qui tombe et ça passe pour Pac-Bet. Ah, Pac-Bet sans prospère, Flashpoint sans prospère logique, c'est quand même très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a 2-1 Iker? Ah non, il y a 3-1. Débourré? Est-ce que débourré Darkling? Attention, on va réussir à prendre le kill. Voilà, c'est fait. Et là, on voit la puissance de Vivian. Hey Iker, salut Scylla, 1-2-3. C'est pas une Cassie dégagée. Alors, est-ce que c'est une Cassie dégagée? C'est peut-être une Cassie dégagée. C'est compliqué, je peux pas appuyer sur tab pour savoir. Mais sans doute. Lui, c'est un 4 stun parce qu'on voit qu'il a la réduction de dégâts sur le stun. Attention, le dash de Khan. Ethereal qui prend le kill sur Transic, c'est bien joué. Oh, les bons dégâts qui sont mis. Deathrunner qui est en difficulté, Deathrunner qui va mourir. C'est un team fight qui est gagné par Pac-Bet. On a réussi et on va même prendre le kill sur le joueur de Talus. On va mettre Dafit sur le point. On a Phobus qui avance pour pouvoir cancel les montures. Pourquoi pas? Attention, Transic est déjà passé. On a Deathrunner avec son Terminus qui va passer également sur la droite. Il pourra retoucher, on a 97%. Non, il va avoir besoin de Transic. Le stun! Mais le Terminus qui arrive à sauter. Khan qui peut essayer peut-être de claquer son outil. On a réussi à prendre le kill sur Transic. Les joueurs de Flashpoint sont en infériorité numérique. Ça va être très très compliqué. Le stun sur Storm Avatar pendant qu'on prend le kill sur la Cassie. Storm Avatar s'est éloigné avec les fulminelles. Et il meurt. Pac-Bet. 2. Les joueurs de Flashpoint. 1. Sur cette victoire de Pac-Bet, ils prennent l'ascendant et ont donc une balle de BO sur la quatrième map. Et la quatrième map de ce BO5, premier BO5 de la PPC Euromaine, sera Mine Gelée.
On va voir comment ça se passe, mais on le voit, les joueurs de Pac-Bet ont pris l'avantage. Ils mènent 2-1 dans ce BO. C'est bien joué. Allez, mine gelée, on le sait, c'est une map serrée en général. Il y a eu 4-2, 4-3, 4-1 dans ce BO. Allez, on va commencer par un ban BK. BK, Talus. Et on a ban Rome et Victor. Cette fois-ci, Rome a été ban, mais c'est marrant parce que Rome a été ban par Flashpoint. C'est intéressant ça, pour pouvoir first pick Viviane. Viviane très puissante hein, sur les joueurs, pour les joueurs qui jouent avec une manette, mais également puissante sur cette map parce qu'on voit arriver les gens, et c'est vrai que quand Viviane voit arriver les gens sur elle, bah elle est très puissante, elle peut se retourner et se servir de son bouclier. Genos pour Pac-Bet, on va chercher l'augmentation de dégâts ainsi que l'outil qui a ses playmakers. Barrick pour Pac-Bet cette fois-ci et non pas une Inara, tiens c'est intéressant. Est-ce que ça sera pas un match-up Barrick contre Terminus sur cette map? Ça serait assez logique de ne pas voir de Inara. Alors on le sait, hein, c'est une map à sniper. Et non, Iker s'est planté, c'est Inara qui est récupéré juste derrière. C'est l'un des premiers Barrick, je crois, de ce BO5. On prend Khan ensuite pour Flashpoint. Et on a une hache côté Pac-Bet. Deux tanks donc qui sont récupérés pour les joueurs. C'est bien joué. Une liane. Ah, c'est plutôt puissant sur mine gelée parce que dans ce qu'on appelle les couloirs là, elle peut mettre des ultis et vraiment mettre des ultis qui peuvent stun très facilement puisqu'elle va se cogner la tête hein, sur la hauteur et poum, directement l'animation est plus courte et ça vous permet de mettre des stuns de zone qui peuvent retourner clairement un fight. On prend Furia pour Flashpoint. Est-ce qu'on va repartir sur une méta double heal? Et oui, le retour de Furia et Ying. Alors, est-ce que c'est le retour de Prosper Logic? On va voir. Peut-être qu'il a eu un problème et qu'ils ont dû prendre un remplaçant pour la map 3. Du côté de Pac-Bet, on va prendre la Cassie qui va donner la vision. C'est vrai que c'est puissant hein, de donner la vision sur cette map. Liane Cassie, bon, il jouerait sans blast. On sait, sur cette map, il y a quand même des personnages comme Drogos qui sont puissants. Un dredge, ça ferait plaisir de voir un dredge. Est-ce que le dredge va être sécurisé? C'est la question. Dredge sur mine gelée, c'est l'une de ces maps. Grok pour pouvoir appliquer les dégâts, d'avoir un petit peu plus de heal, ça peut aider. Le Grok, on le sait, il a en plus été rework et il est très très bon puisqu'il a deux stacks de totem maintenant. Allez, c'est Grok qui a été récupéré en last pick. Mais du coup, Liane, c'est un blast, non? Liane, c'est un personnage hitscan qui a un petit peu de dégâts de zone dans son ulti, dans sa présence et dans son clic droit. Est-ce que tu peux toucher plusieurs ennemis avec? Et Grok, c'est un peu un mixte parce que les rebonds de Grok sont des dégâts de zone et l'arme de Grok est un dégât direct. Donc c'est une compo qui est relativement équilibrée. H est des dégâts de zone, Barrick c'est des dégâts directs, Genos c'est des dégâts directs. De l'autre côté, c'est full dégâts hitscan, full dégâts directs puisque c'est Furia, Ying, Inara, Khan et Viviane. Les dégâts de zone sur Viviane, bah, c'est principalement c'est son ulti. Son ulti fait des dégâts de zone, ses drones font des dégâts de zone autour d'elle. On zone les adversaires, on a Ace à la fenêtre. Et non, Prosper Logic n'est toujours pas de retour. On a donc Destroner sur le point et Prosper Logic qui a dû peut-être s'absenter. Voilà, on a les deux stacks de totem. Vous voyez bien le problème hein, du nouveau Grok. Le totem est beaucoup plus large, mais surtout, bah, il pose deux stacks de totem. Alors en début de partie, c'est très difficile. Oui, le totem, il est moins qu'avant, mais on en a toujours un de dispo ou presque.
Et ça, c'est vraiment très très fort. Regardez, regardez Dafit, il peut claquer son ulti, il va prendre même pas prendre le temps de claquer son ulti. Il a la marche spectrale qui dure maintenant 2 secondes et qui voit sa vitesse améliorée de 50%, alors que de base, c'était quasiment à vitesse normale et ça durait 1 seconde. Donc vraiment, Grok est devenu très très difficile à gérer sur une map comme ça. Hop, il a reposé son totem dans un angle, ça permet de protéger un petit peu la hache. C'est bien, ça joue bien. Ça met du poc par contre, hein. H plus Grok, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de burst, mais ça met un poc qui est assez conséquent. H qui va essayer de poursuivre ici le joueur de Khan. On claque l'ulti du côté de Grok car on a eu peur avec la Inara qui était proche. On va essayer de prendre le kill, on prend le kill sur Madara, mais ça reste une bonne défense pour les joueurs de Flashpoint. Le Grok qui va temporiser, regardez le Grok comme il est capable de temporiser sur cette saison, même si là de toute façon on essayait plutôt de le délai kill. Le kill qui a été récupéré par Aigulad. Et on va tout simplement essayer de tenir sur cette map mijolée, c'est-à-dire devant cette porte là. Même si on ne s'est pas beaucoup avancé côté Flashpoint, on a préféré jouer safe. Allez, on a Viviane, voilà, elle a son ulti. Donc là, elle est dans sa position emblématique. Derrière un endroit pour se cancher. Et là, elle inflige beaucoup de DPS. Là, Inara H qui claque l'ulti. Oh, bien joué! On répond directement par un ulti CAD sur la H. Mais Ace a réussi à prendre le kill sur Deathrunner. On va essayer de zoner. Ace double kill ici. Les deux tanks sont tombés. Le payload qui avance. Et on n'est plus qu'à 50 secondes sur cette manche. Mais on a réussi à avancer relativement vite. Parce que Minjolet est quand même une map assez longue à push, difficile à push, surtout dans les dernières zones comme ça, avec la petite hauteur sur la gauche et la hauteur sur la droite. Il faut essayer de profiter de la hauteur sur la droite. C'est les joueurs de Packbet qui l'ont pour le moment, avec le Khan qui aimerait bien essayer de la reprendre cette zone, mais c'est compliqué. Il est dans la zone, et voilà, il est obligé d'utiliser son dash. Dans le bac, on a Viviane, mais Viviane toute seule comme ça, elle tombe. Elle a pris un kill sur Dafit, mais elle était esselé, pas d'aide de Storm Avatar possible. Storm Avatar qui est dans une zone pour essayer de pas se prendre trop de pression. Regardez, là il y a une sorte de zone d'angle mort où les joueurs sur la hauteur ne peuvent pas y aller. Transic qui prend un très bon kill. Et Transic qui fait complètement la différence là et qui va delayed kill cette Lian à 2 secondes de la fin. Flashpoint tient. L'heure of tank a fait la différence ici. Transic a fait un beau travail. Allez, on va voir. Là, on revoit le move de Dafit avec son Grok qui va permettre de sécuriser un double kill, mais pas de triple puisque c'est Madara qui le prendra. Allez, on voit le deck. On voit le deck. Il va jouer la move speed à 3 points. 3 points dans la munition, 4 points dans le heal et 3 points dans la portée des rebonds. Et il réduit le cooldown de son Ghostwalk. Pourquoi pas. De toute façon, maintenant, il n'y a plus un milliard de cartes sur Grok. Puisqu'il n'y a plus d'intérêt d'améliorer le Ghostwalk, je trouve. Il est déjà très bien comme il est de base. Allez, on se sert des illusions de Ying, bien évidemment, pour utiliser les rebonds. Bon, dégâts qui sont mis. Ace qui prend le kill sur Storm Avatar. La présence. Attention, Khan, le dash, on prend le kill sur Khan, c'est bien joué. Les rebonds, bien joué, le kill de Phobus sur Deathrunner. Les joueurs de Packbet qui dominent. On va décider de ne pas claquer l'ulti, ça pourrait permettre de prendre un kill. Genos qui s'avance peut-être un peu trop, mais ça va, il y a un totem qui a été posé, qui permet de régénérer les points de vie du support. Dafit qui survivra. On décide de jouer safe, pas besoin de claquer l'ulti puisque Packbet était sur le point quasiment depuis le début. On met les ricochets, ça fait un petit peu de dégâts. Et on a Ace qui se met dans la mine pour essayer de mettre la pression. Mais on a le joueur de Khan qui avance. Ouf, Ethereal qui s'est fait burst ici. Grâce au rayon mis par Storm Avatar. Transic qui va mettre des dégâts sur Madara. Madara ferait mieux de se barrer. Et oui, là on se met devant lui, on l'empêche complètement de dash. Il tombe. Il s'est fait un peu délai kill parce que ça faisait un moment que le barrique était mort. Le barrique venait tout juste de revenir. Là, ils se font attention de ne pas mourir en domino. Ils se font rush.
On en... Oh là là, il est mort. Non, il décide de pas y aller. On va réussir à prendre le kill sur Transic. Avec l'ulti de Gros qu'on voit bien qu'on essaye de le burst, mais on n'y arrive pas. On a réussi à prendre le kill sur Deathrunner. Et les joueurs de Flashpoint sont obligés de reculer maintenant. Aze qui survivra. Ouf, un bon kill pris par Skeppy sur sa Viviane. Et Skeppy avec l'aide de la Ying. Ils prennent un double kill ici. Skeppy Kello. Mais Aze qui est obligé de reculer. Transic qui met la pression. Bon soulèvement de Phobus pour empêcher le Khan de poursuivre son DPS. Mais ça défend bien pour Flashpoint cette fois-ci. On arrive à défendre haut. Voilà, on a vraiment le payload. Et on zone complètement les adversaires. On joue safe. On joue avec les blocs de glace. Attention Madara, le coup d'épaule, on essaye de tuer Transic, mais c'est un trade des deux off-tanks, les deux off-tanks sont morts, on voit le burst sur le Grok là, qui prend très très cher, et Skeppy qui arrive bien à économiser, hein, qui arrive bien à gérer son ulti, parce que ça fait un moment qu'il l'a claqué, et ça c'est important, là on voit la Viviane, c'est de protéger et d'infliger le plus de dégâts possible, 35 secondes, elle est à 40% de son ult. Faut pas trop qu'il perde son ulti. Donc il ferait un petit peu de dégâts. Oh, la hache qui peut même pas se montrer pendant une seconde. Elle se fait dérouiller complètement. C'est compliqué. Le gros paf. Il a pas eu le temps d'appuyer sur la marche spectrale. Dafit, il est tombé beaucoup trop vite. Transic qui va essayer d'aller dans la backline. D'essayer de zoner. Encore Genos qui le soulève. Le Barik. Ouais, Barik s'en sortira. Il a les bottes propulsées. Inara qui rush, Barry qui va zoner le can. Une seconde de la fin. Et ça s'arrête là. Flashpoint réussit à rester dans la course pour cette quatrième map. On le rappelle, hein, c'est une balle de BO pour les joueurs de Pacbet qui mènent 2-1 dans ce BO5. 88 000 de dégâts pour Skeppy avec sa Viviane. Il est top damage de cette game. Là, on revoit l'action avec la... H qui a failli tomber dans le vide, mais elle s'en sort, c'était chaud, ça se jouait pas à grand chose. Allez, nouvelle manche. Et les joueurs de Flashpoint doivent faire la différence. 9-2-6 pour le joueur de Viviane, il a 85%, donc ça va. Même s'il perd son ulti parce qu'il met trop de parce qu'il perd ses drones, il pourra les remettre dans pas très très longtemps, donc ça va. Storm Avatar par contre n'a pas du tout son ulti Furia. Du côté de Pacbet, on a bien économisé. On a du côté Rizé 3, déjà en veux-tu, en voilà. On passe sur H, malheureusement. Le Khan. La présence. La H qui est sur le côté. Viviane également, qui sort là pour mettre la pression. Khan qui cherche un angle pour ulti. Mais pour le moment, il est patient. Il a claqué son ulti. Il l'envoie valser parce qu'on a voulu répondre par un ulti. Il a envoyé valser le Grok, mais il est complètement revenu avec son ulti. Ratage un petit peu de la part de Transic, l'ulti de Madara. On va réussir à prendre qui sur les deux tanks qui étaient complètement coincés là. On claque le totem pour remonter les PV de Madara. C'est dommage pour Skeppy. Skeppy va-t-il s'en sortir? Oui, il prend du heal. De Ying et de Furia. Attention de pas se commit. Et voilà, regardez. Il a un totem qui vient de poser. Il en a déjà un deuxième. Ah, c'est vraiment très très fort, hein, Grok. Oh là là, Storm Avatar qui n'avait pas vu du tout Dafit et qui se fait punir. Le contrôle du point central va à l'équipe Pacbet qui mène maintenant 3-2 et qui a plus qu'un point à marquer pour gagner ce BO5 Transic. On voit hein, toute la... Quand même, faut respecter le Khan. Oh les ricochets là, qui vont faire de bons dégâts. Et on continue. Forcément dans des angles comme ça, Grok le totem est quand même très très cool. Allez, on réussit à prendre le kill sur Deathrunner. Ils sont peut-être un petit peu commit sur justement ce côté un peu ingérable du totem de Grok. Là, quand les gens sont tous dedans, ça fait quand même beaucoup de heal. On perd Dafit, on va perdre Storm Avatar. On décide de mourir du côté de Furia, Skeppy également. La Ying, faut qu'elle y aille aussi. La Ying qui tombe. Et les joueurs de Pacbet qui push. C'est dommage hein, de ne pas avoir eu la possibilité de jouer avec les 5 joueurs habituels de Flashpoint que... Prosper Logic est dû partir. Après c'est les aléas hein. C'est pour ça qu'il existe les subs dans les équipes, les remplaçants pour ce genre de soucis. Allez, Ricochet qui ne passe pas, mais Dafit qui avec le boost de Geno, hop hop, sa vie tombe quand même très très vite. Bon, le heal du totem, mais c'est pas un heal non plus broken, mais c'est quand même un heal
qui peut permettre, on voit qu'on claque jamais quasiment les deux totems en même temps, on va jouer plutôt un totem de manière séparée, pour tout le temps en avoir un de disponible. On a Madara qui a claqué un outil pour zoner, on va essayer d'aller récupérer le kill sur Agulad, derrière Skippy qui tombe, les joueurs de Pac-Bet qui font la différence, mais malheureusement on a pris deux kills également côté Flashpoint, ce qui va assurer la défense. On préfère jouer safe du côté de Madara et d'Afit, on attend tout simplement le retour des coéquipiers. Sur Binjolet on prend généralement beaucoup de cavaliers pour essayer de revenir rapidement, c'est quelque chose de très important, donc on les voit qui reviennent vite. Mais ça prend quand même pas mal de temps, hein. Ça prend encore quasiment 20-25 secondes pour revenir. Allez, Aze. Hop, 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 le burst ici sur Skeppy. Tandis que Transic essaye de tenir face à la hache. Et le kill qui est pris par Dafit, c'est bien joué. Là, on voit la pression hein, de Hache et Grok sur le joueur de Khan. C'est compliqué, ils sont en infériorité numérique, mais ils ont réussi à tuer le tank point. Goulad qui est mal positionné, qui est obligé d'utiliser son lien dimensionnel, mais qui se fait tuer par Ace derrière Skeppy qui arrive dans le dos. Classique move hein, de la part des bons joueurs de Viviane qui vont essayer de vous flanquer à la dernière seconde. Et Skeppy qui mouline et qui fait la différence. Ça va permettre aux joueurs de Flashpoint de tenir. Vous avez vu là le petit passage en haut à droite. Il défendait en haut à droite. Il fait « Ah, il n'y a plus personne qui cover en haut à droite. » Je vais arriver dans le dos et je vais bombarder et ça fait la différence. 130 000 de DPS pour la Viviane, c'est vraiment bien joué. Allez, 3 partout, 10 secondes avant la fin de la manche. Et on va voir comment ça se passe. Est-ce que les joueurs de Flashpoint peuvent aller chercher le point malgré l'absence de Prosper Logic qui se ressent quand même dans leur gameplay et dans leur agressivité. Allez, on a Transic qui claque l'ulti ici sur la hache. J'ai glissé, chef. On va essayer de prendre le kill sur Madara. C'est bon, on réussit à prendre un bon kill ici, c'est bien joué. Merci pour le sub de Weezer. Merci beaucoup. Et attention, côté de Pac-Bet, on capte pas, là on capte pas, on a personne sur le point, on a Viviane qui décide de s'y mettre mais qui a un tier life qui prend la pression, c'est quand même compliqué. Allez, on a mis la Inara sur le point, on remonte les barres de vie, on a l'ulti Genos, on y va du côté de H, H qui est à 97%, le coup d'épaule pour assurer la possibilité de l'ulti. Ulti qui fait complètement la différence, il retombe sur Skeppy. On réussit à tuer tous les joueurs de Flashpoint qui ont pu que sécuriser que 50% quadra kill de Dafit. Ah, c'est compliqué pour Flashpoint là. Très très bon ulti de la part de Madara. Là on voit la force du coup d'épaule, le fameux coup d'épaule que je vous dis que vous pouvez utiliser offensivement que si vous avez votre ulti derrière. Et le coup d'épaule fait monter de 3 ou 4% d'ailleurs l'ulti si vous l'utilisez, si vous touchez quelque chose avec. Du côté de Madara, on recule. Inara qui pourra retoucher. Elle est passée par la mine. Attention, Grok qui claque l'outil pour essayer de remonter la barre de vie des joueurs du côté des joueurs de Pac-Bet qui joue juste défensif. Là, voilà, il fait des allers-retours dans sa backline pour essayer de remonter le Non ! Ce qui se fait complètement manger tout cru, là ! Phobuz, qui était beaucoup trop peut-être avancé avec son Genos, il essayait d'être impactant. On réussit à prendre deux kills du côté de Flashpoint. Ulti qui touche, mais qui ne fait pas de kill. Ace est toujours en vie. Ace qui prend un double kill et qui fait complètement la différence avec Dafit. C'est bien joué, mais on n'a personne sur le point. C'est compliqué. Viviane qui va essayer de rush le Grok. Viviane ou Grok, c'est Grok qui perd. Mais derrière, Phobuz va chercher le trade. Et ça fait la différence. Khan n'aura pas le temps de retoucher. Il est soulevé par l'emprise du vide de Phobuz. Pac-Bet remporte ce BO5 3-1.